Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo rétrospective. Je l'ai refaite maintes fois, mais cette fois-ci c'est la bonne, j'y vais à YOLO, voilà, même si ça part dans tous les sens, tant pis, il faut absolument que je la sorte, ça fait bien trop longtemps que je vous tease. Aujourd'hui on va parler du partenariat, on va parler des projets de la chaîne, on va parler des nouveaux concepts de la chaîne, on va parler du multi-gacha, on va parler des potentiels giveaways. Là, ça rejoint un peu le partenariat, mais vous allez voir. Je vais tout vous dire de toute façon. Et voilà. Alors, pour commencer, déjà, maintenant, on est 150, plus de 150 maintenant sur la chaîne. Merci beaucoup. On est 160 pratiquement. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci aux anciens. Et merci surtout à ceux qui mettent des pouces bleus en dessous de mes vidéos. Il faut savoir que mes vidéos ne sont pas monétisées. Encore une fois, je le répète. Mais peut-être pour les nouveaux qui viennent d'arriver, ils ne le savent pas. Elles sont pas monétisées. C'est juste que ça donne de la valeur à ce que je fais. C'est un retour par rapport à la communauté qui me regarde. Et ça, voilà, ça me permet de jauger, de savoir si une vidéo plaît ou pas, etc. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Voilà, ça c'est dit. On va partir maintenant pour le partenariat. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis un peu rapide, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, alors on va essayer de faire court. Mais grosso modo, j'ai contacté Biscuit sur Facebook et j'ai demandé, voilà, ça fait déjà 3 semaines hein, que je leur ai envoyé un message. Il y a eu quelques négociations, etc. Mais grosso modo, la seule chose qu'ils ont pu me proposer dans l'instant T, c'était le statut de helper. Alors, faut savoir une chose, les amis, c'est toutes les personnes considérées comme helper sont en contact direct avec Biscuit hein, sur un serveur vocal dédié. Et on a des récompenses toutes les semaines. Alors, c'est une récompense qui ne change jamais, c'est fixe, hein, c'est 1000 gemmes par semaine, 500 d'énergie, 10 tickets de skin, donc ça prend beaucoup de temps, ça on s'en fout, c'est anecdotique, et des petites merdasses, voilà. Donc voilà, ça me permet d'avoir une rétribution entre guillemets par rapport à ce que je fais. Ça demande beaucoup de temps et j'avoue que c'est pas du luxe. Grand merci à eux, voilà. Malheureusement, pour les giveaways sur la chaîne, ils m'ont aussi dit que ce code, je pouvais l'utiliser pour faire des giveaways aux abonnés, mais par contre que eux n'investiraient rien pour le moment pour ma chaîne YouTube et qu'ils... la seule chose qu'ils pouvaient vous proposer, c'est directement que je vous renvoie en fait sur la page Facebook pour que vous fassiez des événements qu'eux font en fait. Des fois, c'est juste répondre à une question bateau et vous recevrez 500 gemmes, une bouteille de vin, c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé. Bref. Voilà, donc je suis assez déçu, mais on va pas lâcher l'affaire, les amis. Je sentais qu'en fait j'avais pas le poids suffisant pour faire valoir mon idée. Ça m'a été très difficile de négocier de toute façon. Donc la seule chose que je peux attendre, en tout cas pour le moment, c'est qu'on augmente le volume des abonnés sur la chaîne pour qu'ils ne puissent plus ignorer mes demandes, entre guillemets. J'essaie pas d'avoir un deux poids de mesure, j'essaie juste de leur dire, voilà, on a une influence. Je trouve que c'est pas volé d'avoir 1000 gemmes par mois, par exemple, à un abonné de la chaîne qui serait tiré au sort. Je pourrais faire une vidéo teasing et tout, vraiment, avec un super montage, etc. Je sais que vous adorez mes montages, merci à vous, moi c'est un réel plaisir de les faire. Enfin bref, voilà, ça c'était le premier sujet de la vidéo, le partenariat en stand-by, je suis helper maintenant. D'ailleurs, on va bientôt, possiblement, l'idée a été proposée d'avoir un statut ici, un main title, d'avoir justement helper hein, pour être identifié de la part par la communauté, voilà. Deuxième chose, alors nouveau concept, merci à toi Scalefleur, il me semble que c'est toi, ouais c'est sûrement toi Scalefleur. Voilà, il me proposait en fait de faire des reviews de comptes pour essayer de conseiller un peu les joueurs par rapport à leur compte, essayer d'un peu cibler mes conseils, et ce serait avec plaisir, les amis. Voilà, je cherchais en plus un concept à faire sur la chaîne et je trouve que ça peut être une très bonne idée. Si vous voulez par exemple une review, etc., vous pouvez me contacter directement sur Twitter. Voilà, c'est la troisième information, les amis. Twitter sera en description. J'ai créé un Twitter de la chaîne officielle, vous tapez Lacunabi et vous me trouverez sur Twitter. N'hésitez pas à aller follow, on va envoyer des screens, etc. Les vidéos en avance peut-être, donc pas de problème. Voilà, vraiment, allez-y, suivez-moi et on essaiera de trouver peut-être des giveaways de ma part. En attendant, mais je promets rien, je vais surtout essayer de forcer un petit peu par rapport à Biscuit. Donc voilà, nouveau concept, si vous voulez que je fasse une review de votre compte, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un message sur le Twitter, je le regarderai, on se donne une date hein, pour le faire, et on se met en vocal. Par contre, ça va se faire que en vocal, hein. Je ne serai pas là à discuter tout seul sur votre compte, vous devez absolument avoir un micro, voilà, pour que ce soit interactif et que ce soit animé pour la vidéo YouTube, hein. Vous l'aurez compris, parler avec quelqu'un qui crie à l'écrit,
qui parle à l'écrit, purée, je vais y arriver. c'est compliqué, voilà. C'est compliqué d'animer tout seul. Donc voilà, premier concept de la vidéo, c'est une bonne chose. Encore une fois, Hunter x Hunter, c'est mon jeu principal, mais vous avez pu voir aussi d'autres vidéos sur d'autres jeux, hein, Aura Kingdom, Dokkan Battle, etc. Je vois bien que ça intéresse pas tout le monde, hein, je le vois tout de suite dans les stats. Mais voilà, moi j'ai besoin de changer de temps en temps, et puis vous me suivez de temps en temps sur ces vidéos. Alors, grand merci à vous, et on continuera voilà, dans le futur à un petit peu switcher de temps en temps. La prochaine vidéo, je pense, hein, de guide, ce sera sur le 19.5, les amis. Hein, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Guide conseil débutant, n'est-ce pas, Draxo? Mais voilà. Merci encore une fois à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Vous me faites kiffer, hein, voilà, tout simplement. Moi, je me fais kiffer, je vous fais kiffer, on se fait kiffer. Tant mieux. Purée, j'ai plus rien à dire. voilà, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui reviennent de temps en temps dans le chat, hein, hop. Donc voilà, n'hésitez pas de temps en temps à dire que je fais une vidéo là-dessus, essayez de les rediriger voilà, de temps en temps. Moi je le fais pas, mais que par MP, voilà, si j'ai vraiment fait une vidéo sur la question précise. Mais voilà, si vous voyez que des gens sont en galère, n'hésitez pas à les renvoyer sur la chaîne YouTube, tout simplement. Hop, je vais regarder un peu mes fiches. Je pense qu'on est bon, je pense que j'ai tout dit. Merci encore une fois à vous les amis. On continue, on lâche rien. Vous êtes 150 maintenant, c'est assez incroyable. Vous lâchez énormément de pouces bleus, beaucoup plus qu'au début. Je kiffe lâcher une vidéo par jour comme ça et attendre vos retours. Je réponds toujours de toute façon sur mon téléphone quand j'ai les deux mains libres. Sinon il y a un petit temps de délai. Voilà, dernière chose, il y avait un concept qu'on avait préparé avant les vacances qui s'appelait Radio Hunter avec des invités, hein, pour discuter voilà, une fois par semaine pour une durée de 20 minutes à peu près du jeu, de Hunter x Hunter en général, etc. etc. Et l'idée est pour le moment en stand-by, mais faut juste qu'on attende que tout le monde puisse être là le jour J. Il y aura une version d'essai, hein, qui sera directement envoyée sur YouTube. Vos commentaires, encore une fois, seront de mise. Et vous allez voir, il y aura 4 intervenants à chaque fois, ou peut-être que des fois il y en a un peu moins. Mais grosso modo, il y avait 4 intervenants prévus, hein, des gros joueurs sur le jeu, des plus débutants, des passionnés d'Hunter x Hunter, etc. Et je pense que ça peut créer quelque chose de vraiment bien. Donc moi, je serai l'intervieweur et les autres seront les interviewés, hein, vous l'aurez compris. Et puis voilà, c'est histoire de se dévoiler un peu plus. Et il y aura des noms que vous connaissez qui seront présents pendant ces vidéos, vous pouvez en être sûr. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, et petite chose, petite dédicace à... Oh, comment il s'appelle ? C'est long, ça casse le rythme, pardon. Mais bon, il y avait un helper là qui voulait se barrer du jeu. Je suis vraiment désolé, j'avais ton nom en plus juste avant, mais je l'ai oublié au moment précis où je devais le dire. Mais grosso modo, te barre pas du jeu. Les gens veulent pas que tu te casses, reste. Si tu vois de qui je te... Enfin, tu dois te reconnaître. Il y a plein de choses qui vont arriver sur le jeu. Ce serait con de passer à côté de tout ça. Voilà, merci à tous encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Lacunabi. Ciao.金も名誉もいらないからただ真実を知りたいっていう変わり者で、さらに口が固くて信頼できるメンツが法人設立のため10人くらい必要だったからな。わかんねえか？じゃ、もう少し話すか。やっと。ネットで知り合ってオフ会で意気投合したそいつらはみんな俺より年上で、 普通の会社員や院生やフリーターだったりした。俺の素性と計画を打ち明けたら、連中は法人設立に関わる雑事を進んでこなし、なけなしの生活費から寄付までくれた。念願かなって応募の中に足を踏み入れた時、俺が一番嬉しかったのは、ずっと願ってた応募の真実を目の当たりにしたことじゃなく、 一緒に仲へ入ったそいつらと
顔を見合わせて握手した瞬間だった。そいつらは今も無償で役員をしながら俺に生きた情報をくれる。この連中と比べたら王母の真実はただのおまけさ。大切なものは欲しいものより先に来た。で、1784メートルあるって。うん、それは間違ってないな。だがこの木の真実は成長の止まった若木だ。栄養が足りなくてこれしか育たなかった世界樹なんだ。